C'est marrant, le Zinok il est jamais en colère. Tu le bats vraiment là? Bah ouais, Mon ça va culé me de prendre 15 minutes. tarasse. Ça va me prendre un quart d'heure. Et après je vais aller manger. Mais ça se fait pas de gâcher, on gâche pas ce qui nous est donné. Hein. T'as pensé aux petits Africains? Est-ce que les Africains ont des petits tickets Zinogre, non? Ah oui, mais t'es pas. Ah, mais d'ailleurs, faut que je le capture ce Zinogre. Oui, bien sûr. Plot Mais non, non, fallait le laisser, fallait le Plot tuer. twist! T'es con! Je vois le capturer Zinogre! J'aime mieux quand il fait son jeu de plateforme là. De quoi? Le début du jeu, il fait son jeu de plateforme là sur le côté, il saute sur les cailloux. Ah oui. Il joue à Super Meat Boy lui aussi. Putain, l'autre matin, on m'a demandé c'est qui Water. Ah? Il est connu dans le. Il est connu dans les Nuggets. Ah ouais? Non, parce que j'avais sorti une vidéo, il y avait tout le monde dans l'animalerie de Water parce que t'avais fait la farm. Ah. C'est qui ce Water là? C'est qui ça? C'est un individu. Mais c'est tellement simple quand t'as 4 aggro, franchement. Et alors la GK non, ils. Non. Moi je suis pas famous moi. C'est on 2. J'attends le moment où il me dira c'est qui Amourat. Alors. Secret des traces. Oh là! Oh là! Chier! Je l'ai vu venir cette merde. Hein. Non! Mais putain, mais connard, mais lâche-moi le cul, bordel! Mais il a fait, mais c'est quoi ça? Mais comment un truc pareil peut sauter comme ça? Quel animal fait ça en fait? L'autruche. Ok, boomer. Je voulais sauter dessus, il m'a fait un putain de stomp avec son pied. C'est parce que t'étais trop entre ses pattes, Lucas. Bah après, faut faire gaffe quand même au coup de. Ma vie, il m'a bouffé. Ah bah oui, voilà, ça. Non mais on est bien. It's okay. Non mais t'en fais pas Lucas, ça passe. Non mais je m'enfuisais de sa quadruple attaque de mâchoire là et puis à la fin bah, j'étais au bout et je pouvais plus avancer. Ouais, parce que t'étais à terre. Va falloir faire des esquives timées parce que ce connard là il est chaud un peu. Mais il me suit. Mais il me suit. Ah. Mais il fait son attaque de mort et il me suit là! Et il m'a bouffé! Oh, mais après il est tellement fat, il est chiant, il a une hitbox de ça. Oh putain, quel salope! Jamais été trop une partie de plaisir dans les MH! Oh, le Namiel il est. Pas t'avouer ce Je déteste cette quadruple attaque, putain! Et voilà, il m'a rebouffé! Alors moi je peux te dire que. Je vais la jouer à la Alt VS! Non, mais là, mon deal, c'est nous. Attends, il t'en remet une, te lève pas! Il t'en remet encore une? Non, c'est bon! Non, j'ai mal Frodo. Ah, ça pique, ça pique. Les guises et tout. Ça je pense que ça partira dans le générique. Un jour. Ah, ça pique. Putain, c'est une boulette qui me tape. Oh non, mais la raciale. Ton groupe, qu'est-ce que je sais pas ce qui se passe. J'ai une queue énorme dans l'avant-plan, là, je sais pas ce qui se passe. Il y a de la fumée, il y a des poussins partout, il y a de l'air. Ah, oui, t'es sur ton navigateur internet, tape-le. Ah merde, merde. Ah là, il boite. Il te boit. Ah, ici, il crève du poison, on se bute. Normalement, ils peuvent pas crever du poison, il reste un point de vie. Il crève en rentrant chez lui. Ah, c'est con, hein. En vrai, ce serait super sadique. Faut vraiment pas de bol, parce que je pense que j'ai le faux. Le poison, ça fait quoi? Ça doit faire 20 toutes les 5 secondes, non? Je sais pas. Ouais, bah fais ta danse classique. Je vois totalement de quoi tu parles en plus. C'est le moment où il balance la tête droite-gauche, c'est ça. Bon, ça va quand il y a 4 aggro, mais quand t'as que 2 aggro, c'est impossible. Vraiment. Croc infâme. Sang noir. De Saruman. Kai kai kai. C'est le moment où tu captes que c'est pas ça. Mais je sais. On est, la situation est sous contrôle. T'es sûr que ça va fiscalement? Contrôle du chaos. Ça, c'est ça.
J'adore ça. Dès que le parc est transgénique. Ah non, tu s'arrimes pas, putain. Guillaume est pris à son propre piège. Ah putain, en plus, il y a une orca pas possible. C'est qu'on a des comptes Adobe pour le travail. Pour le travail. Mmh. Pour les études. Et, ouais. Et c'est pas pourquoi, quand il y a un pote qui veut m'inviter sur un document. Ça met des suggestions, il tape mon email et ça met des suggestions avec mon nom. Sauf que mon nom c'est pas Lucas Clément, c'est Gaspard Clément. Alors que je suis dans mon compte Adobe, tout est normal. L'adresse est la bonne. Je sais pas pourquoi. C'est Gaspard Clément. Depuis quand tu t'appelles Gaspard? Qu'il passe? Il peut pas voir les événements, les quêtes événements. Ah. Et quand j'en mets une, il peut pas la rejoindre. Ouvrir des ports spécifiques sur sa box. Yes. Alors ça c'est le bon signe, putain. Arigato gojaimasu. Je comprends quand même pas comment t'as des contrats alors que moi j'en ai pas. J'ai doublé des japonaises. Ça passe pas si bas, c'est en russe. Ah mais chacun ses rêves. Kamenasai. Mais je pense qu'ils enfin, ils te prendront pas trop si c'est la seule chose que tu sais. Tu sais dire. Je sais. Comment t'es qu'on a ça? J'emmerde le game. Kawaii! Vous voulez faire du Shinoge? Oui. Conan! Otosan! Il y a pas un truc qu'il répète aussi à chaque fois qu'il commence à l'endormir, l'inspecteur? Quand il commence à l'endormir. Bah ouais, parce qu'à chaque fois il s'amuse à l'endormir pour faire essayer de parler à sa place. Mais quoi, avant? Bah ouais, qui dit j'ai trouvé la solution et puis après il l'endort et paf la magie s'opère. À la télé ils ont parlé d'un beau mantillage au venin de serpent. Du coup c'est transition. Il y a, je sais pas. C'est pour les langues de vipère, c'est ça? Ouais. Il y a même un épisode où genre il a perdu sa voix, du coup il peut pas faire son truc et du coup il est obligé de faire la langue des signes pour leur faire comprendre qui c'est qu'a tué. Comment il a tué, putain. Ça me dit quelque chose. Il y a un seul suspect. Ah oh bah ça m'étonnerait que du coup. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais, il y a un épisode que. Ouais, ouais, peut-être pas. Je suis trop sensible. Moi je me souviens quand même avoir vu à la télé le moment où il y avait la meuf qui a aussi été rapetite. Je ne sais pas quel épisode apparaît. Je pense qu'il y a un épisode en français où. Si, il y a un épisode en français où il y a la merde de Ran. Ça se passe dans des chiottes d'un café en fait... là. Oh ça, monsieur, ah, vous mais savez. Je connais trop bien. C'est... Bon, Flan, tu l'as trouvé? Yeah. Hassan. Otto-san. Non, là, on dirait DBZ. C'est Gohan. Cacao. Otto-san. Traquer le monstre sans retour. Il charge de l'énergie, il va tirer sur les tours de l'avant, n'importe quoi. Tu vis un autre jeu là. Bah surtout que tirer sur l'étoile de la mort avec l'étoile de la mort c'est compliqué. Avec la base je sais plus quoi là. Starkiller. Mais sais-tu que la base Starkiller est dans Jedi Fallen Order, c'est là où il ramasse ses cristaux de savoir laser. C'est bien. Alors, bah oui, la planète de neige où il couvre le cristal c'est Starkiller. En fait. Mais elle n'existe plus la planète normalement. Mais non, mais ça se passe bah avant, oui. Con. Ça, c'est... Ah, ça se passe avant. Bah oui, vu qu'il y a... C'est après le 3. Spoiler, il y a Dark Vador. C'est qui? Ouais, pardon, c'était Dark Maul. Arrête, Sonic. Merde. Sonic, le réaction électrique, arrête. Crâne d'acier, tête de fer. Tête de fer? Ah, je suis stunned. Pikachu, que de fer. Ouf, j'ai cru qu'il allait me foncer dedans, il allait me faire perdre des points de vie en me rentrant dedans. Pika. Ah, vous voulez faire la VF du coup? C'est mal. It's me, Mario time. Envoie-le dans le mur. Mais on peut là, mais on peut pas là, il est vénère. Je devais m'en aller. Je devais m'en aller. Ah mais c'est le même mec qui a fait Escalibur, Escalibur en fait. Oui. Je sais pas qui c'est qui m'a sauvé mais je prenais la clé. C'est moi. Aurélien je crois. Je la prenais. Bah prends-le lui là.
Coupe là. Voilà. Voilà, elle est cassée. Il s'est pris le piège. On va trouver Gérald de Rivière. Je vais me faire paralyser, je suis un gros con. Mais ça marche, t'as vu? Mais je peux pas être paralysé. Putain, insupportable quoi. Qui dit ça? Où est LOL? Il se barre, c'est bon. Il pigne comme le chien qu'il est. Est-ce que je le frappe? Mais le frappe pas! Frappe pas, hein, il est tout triste. Attends. Il a encore détruit mon piège! Mais là j'ai plus de vie en fait! Mais j'ai l'électricité au cul moi! C'est pour ça que je fais des étincelles! Non mais non, là il a pas fait d'attaque et il est passé dessus et le mien il a pas marché! Ouais, mais c'est parce que c'est ses éclairs. Moi, mais ce que je te dis, c'est s'il s'active pas instantanément. Non, mais s'il s'active pas instantanément, mais non, que dalle, je lui ai posé sous lui, il a pas marché. Mais moi, je peux t'assurer. C'est ce que je dis. Et moi, je sais avec quoi je l'ai capturé la dernière fois. Écoute. Il y a moins d'une heure. Tu crois que j'ai capturé avec quoi? Un piège alien que j'ai sorti de mon cul. Il était électrisé au moment où tu l'as capturé? Non. Voilà. Ce que je te dis. Voilà, bon, ben, voilà, oui. Voilà. Mais c'est l'émeraude dit dans. Non, c'est l'émeraude, c'est pas Edmond, vous montez, lol. C'est pareil. Oui, mais vous montez, monsieur. Mais tu es très en colère, Florian, ce soir. Ta gueule. Une serre et. Mais je louche pas les vouches de Zinogre. Ah, mais je pense je que tu vas les louter. Je louche pas les ouches de Zinogre. Je ne loot pas. Agitateur, hein. Oh, c'est le moment. Oh non, t'as pas le droit de. Pascal. Oh non. Quand t'as dit Temtem, je pensais à Semsem. Non, moi aussi je pensais. Du coup, j'étais en mode. Quoi? Pourquoi son bâtiment est en feu? Qu'est-ce qu'il fait encore? Il a regardé pendant 10 heures sa plaque de cuisson brûler un truc. Ah merde! C'est bousinant avec sa queue coupée. Mais lol! Ah oui, donc je croyais qu'ils avaient mis la queue coupée à côté de lui, quoi. Non, c'est le moignon. J'ai vu que c'est trophée. C'est son culé, gars. Le petit trophée à côté. Bon, là, il est foutu, là. Le Zinogre, il ne fait rien, là. J'ai envie de chier. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas les trois en même temps. Hein. Donc, en gros, bordel de cul. Ou s'il y a les trois en même temps, je me coupe trois couilles en même temps, voilà. En même temps. Alors, il va bâcler tienne. Oui. C'est du chien. Scarlien, c'est bien de toi, là. Est-ce que ça te dit en vrai? Mais non, regarde, je lui ai fait tomber les KS dessus, déjà. Ça touche à lui, c'est trop bien. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée. Non, ah non, alors... c'est la pire idée. Mais vraiment, hein. J'ai déjà essayé, c'était une mauvaise idée. Oula, c'est quoi ça? Oula, mais les quadrillas. Oui, c'est sa nouvelle attaque. Il fait les cailloux Oxford, maintenant. Il fait en quadrillage comme ça. Oula! Oula! Mais il fait 36 000 éclairs en plus aussi! Bon. Ah, mais si! Peut-être qu'il le double, il double tout, c'est tout maintenant. Ça ne sert à rien. Donc il me sert à rien. Pardon? Oups! Oh merde! Ça me rend la pute! Arrête! Je dis ça à un moment, je vais me faire paralyser, ça va mal finir. Ah, oh, d'ailleurs, je suis un peu. Comme moi, quoi. Non, par les coups. Sauf que moi, je n'ai pas à me faire para. Là, il a été là et toute la différence. Oups! Mais non! J'ai oh, mais putain, j'ai pris. J'ai stressé, j'étais dans le sol carré. Non, j'ai spawn! Mais quoi? Mais arrêtez les conneries, putain! Mais quoi? Mais moi j'étais dans le sol carré, j'étais tellement stressé. Mais je suis le pigeon, c'est-à-dire que j'en vrai. Le jeu a décidé que j'allais être le pigeon de cette quête, mais vraiment. Le quadrillage, il m'a tellement stressé. Hein. Non mais, attends, la probabilité que je sois stun en prenant un coup, elle est quand même incroyable, hein, vraiment. Parce que j'en ai pris qu'un coup, hein. Ah, je suis stun. Non. Putain. Heureusement, ça one-shot pas, putain. Oh, bah si jamais. Oups si. Oh, l'esquive parfaite, sinon c'était le foutu. Je vous le dis comme ça. Putain. My little pony. Non, putain, chèque.
Il tombe même pas avec ça, c'est un putain de poney, il tombe même pas. Oh, ouais, même si t'étais 8 contre lui, tu crois. Parce que il peut tout toucher, tout. Il touche tout le monde. Il s'en fout. Il s'en fout, y'a pas d'accro, il touche tout le monde. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Il te fait rien. Ah ouais, ouais, là. Non. Non. Mais il arrive pour ton cul, qu'est-ce que tu veux? C'est horrible. Et c'est son rodéo. Non! Tu t'es vu quand t'as fait. Mais qu'est-ce que tu te fous devant aussi? Ah. Comment tu veux, même en sachant par cœur le pattern, tu peux jamais savoir ce qu'il va faire, c'est insupportable! Ah, mais putain! Ah, mais je suis stun, allez, c'est bon, c'est fini! Ah, ah non! Vous permettez, je vais chier, je reviens! Et on l'a réussi ça. Avec un stuff plus safe! Non, mais j'ai même pas envie d'essayer! Je ne veux plus! Je fais des traces dans la boue. Et c'est rigolo parce que les traces s'effacent au bout de 10 pas. Transporte quoi dans ton panier? Mais t'as rien dans ton panier, toi. Ça fait genre c'est lourd. Non mais connasse. Pourquoi tu tapes le dos, forcément? Je suis nul. Bah non, tu peux, vas-y, c'est bon. Vas-y, j'ai affaibli la partie. C'est affaibli tout ça. Coucou! Coucou! Aki! Ou Kiki! Non mais putain, mais. Respectez le grillage des enfants! On est tous dessus! Ah bah non, pas moi! Mais tapez-le putain! Mais je suis stun! Que tu fais, connard? Je lui mettre du 900 dans la gueule, qu'est-ce que tu veux de plus? Je vois pas quand tu charges. Et il faut que tu mettes plein de petits coups, Florian! Bah c'est sinon, ce que je fais. Le gars il voit pas! C'est moi qui l'ai fait tomber là! Tout à l'heure alors! Moi j'étais stun, non, moi je. Non, il veut! Oh, il veut m'empaler! Aïe! T'es sauvé? Tu vas. Je sais pas trop. On va dire que oui. Là je peux, je peux! Oh, parce que. Je vais t'avouer que j'allais quitter le stun. Oh là là, ça a failli me baiser ça. Cette histoire a failli me baiser. J'allais quitter le stun et tu m'es rentré dedans, Lucas, donc je sais pas trop si tu vas. Vilain cheval. Pas du tout. Une mutation ratée. Je suis content. C'est plus le cas. Je refais le cul. Non. Ouais, ouais. Il t'a refait le cul aussi. Juste un. Là, 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 c'est mort pour moi. Ouais, te tape pas. Pour moi, non, c'est fini. Allez. Mais je vous déteste tous en fait. En fait, c'est vous qui essayez de me goûter à chaque fois. C'est qui là? Je peux retirer ma cape, c'est tout. Sa mère la pute! Ah bah yes! Ah! Mais on appelle ça une chienne en fait dans le milieu! Me regarde pas! Devrais, je suis mort! Non, c'est bon! Mais non! Tiens, un peu de poudre de vie pour tout le monde, allez! Nounours! C'est l'argent de sable! Oh, je suis stun, il m'a envoyé de ça! Ah bah là, je me fais! Oulala, j'ai. Il a fait une petite tuade et ça m'a stun. Regarde, si je m'accroupis, est-ce que ça donne envie? Oui, yes. Ok, bon, bah. Est-ce que mon petit cul te donne envie là? Pour être sûr. Hein. Fait... Bah, il est lol. Bon, Easy Money, j'irai peut-être pas jusque-là quand même. Easy Money. Oui, mais disons que bah, jamais personne s'en sert donc. Ah oh! Maintenant il va l'utiliser, il va planer. Janine, Janine elle a volé dans le coffre, elle a volé dans la caisse. Ouais, comme d'hab. Oh le canon il est cassé. Attendez, vous faites pas repérer. Bande de merde. C'est pas moi, hein, pour commencer. Vous en faites pas, je vais régler tout ce problème. Ah, il m'a poussé. Ami mon cher Philippe Candeloro, il y a beaucoup de vent sur le terrain. Il est impossible de continuer le match. Putain, c'était mort avec un sacré panache. Le mec, il a moitié mort, mais il s'envole avant de mourir. Ah, je fais à la fronde. Non. Piou piou. Piou. Premier truc, je le fais tomber et après, il meurt. Oh putain, c'est qui le connard qui a une. Je ne sais pas. Voyons. Ça peut être tout le monde. Elle te le strange, l'enculé. J'attends de voir les nouveaux moves. Hein. Putain, mais faut estimer.
pour qu'on puisse estimer le prix, enfin le coût que ça va avoir d'arroser un champ de 1 hectare à peu près pendant un mois. Clarinette a quitté la session, pardon. C'est rien, ça, c'est un problème de maths, ça, je te le résume en 2 minutes. Ben non. Tu sais combien c'est le prix de l'eau, toi, en campagne, pour l'arrosage automatique? Tu regardes sur internet. Mais PTDR, tu crois qu'internet il y a cette réponse là? Ok Google, quel est le prix de l'eau dans le Poitou-Charentes? Si je veux arroser un champ de 1 hectare. Tu racontes ton problème en entier. Il te sort le PowerPoint. Oh, ça, ce serait ouf, ça. Oh oui, ah non, attends, je lui donne mon sujet, il me sort le Excel de bilan comptable, carrément. Là, c'est... Oh non, oh, les flashbacks du LIUT. Mais c'est ce que je suis en train de faire, hein. Je suis en train de faire un bilan comptable. Ok. Parce que, en gros, c'était une simulation de start-up. Star Trek. Putain, mais perfect! Oh, perfect! Incroyable! First try! T'es juré au moment où je lui mitraillais, c'était incroyable. Oh non, mais casse pas les couilles, l'engenade de tonnerre. Mais moi, je veux juste choper des singes d'argent, connard. Laisse-moi miner, trou du cul! Il est tranquillement quand toute la fin je suis chopé par Rapdavos qui m'a envoyé à l'autre bout de la terre. Oh, j'ai éternué. Ah, ah, ah. Oh putain, ça m'a fait une douleur en même temps. Dans les côtes, c'est quoi ce bordel? What the fuck? Ouais, mais moi je vais chercher les singes d'argent et je te rappelle mon 10 heures. C'est incroyable! Le singe d'argent, il est incroyable! Mais c'est quoi cette armure de salon que j'ai là? Heureusement que j'ai mis Siri parce que putain c'est pas très présentable. Hein, ça. Siri Lignac. Ouais, c'était quoi? C'était dans Georges de Hagen où il y avait un oiseau qui faisait Toki Toki Toki? C'est pour cette anecdote. Si, c'est le Toki. Il aime briser les parties des monstres. En concentrant vos attaques sur certaines parties du corps des monstres, vous pouvez les briser. Ce qui affaiblira la fusée. Ça commence avec son du sud, ça part en arabe. Et limitera sa mobilité et ses attaques. Certains matériaux peuvent aussi être obtenus uniquement de cette façon. Vas-y vers là. Essayez. Qui est une barrière challenge? Non. Mais pute! Moi j'attends de voir que la personne décline son identité en parler. J'en fous trop. D'accord. Moi aussi je vais faire des cris. Putain. Un beau cri. Il babasse. Hein. Oui, babasse. Ah putain, l'eau de garon. Hein. Faut envoyer. Non, c'est un évite au carnage. Oui, j'ai entendu, j'ai cru, avec l'imitation du cri de Lucas. Putain, l'eau de garon, c'est. Non, je sais plus, attends, je l'ai plus en tête. Putain, au cool ça. Quelqu'un dans le Discord. Le fait que c'est que ça sert à rien que je te dise qui c'est parce que tu le. Il y a 0% de chance que tu le connaisses. Aïe. Je connais beaucoup de monde dans le métier. dans le métier du Discord. Main de maître, tu perds pas la. Moi je suis d'accord avec Florian. Ouais, ça c'est drôle ça comme blague. C'est drôle, mais en fait, je dirais avec Ambroise, je suis d'accord avec Ambroise. Tout l'affinité. Moi je suis d'accord avec moi-même et c'est déjà pas mal. La baisse de. Oui et non, mais je pense que l'affinité négative. Ah, c'est un choix là. Ouf. Fallait pas que je fasse ça. J'ai un doute, mais ah. Non. Alors, écoutez mon plan. Mais c'est pas ma faute là. Ah, ça se passe bien. Hein. Voilà, donc on va perdre à cause du troisième joueur. Dédouane-toi totalement de ta responsabilité. Tu es une crue aussi, connard. Ah, mais c'est parce qu'il servait de son palico comme d'un tank. Prenez un piège. Bah oui. C'est mon talot. Ah tiens, Gérard. Toi, je suis avec des animaux rares. Il y a deux cornes de chasse dans mon expédition. Ouf.
sachant que c'est quand même l'arme la moins jouée. Moi, dans ma tête, Non, la double lame, non, pas du tout, parce qu'elle est à 9% ou un truc comme ça. Ah ouais? Oui. Attends, ça fait quand même, sur le papier, arme de débutant, arme de gros qui couche s'il a joué, donc... pas de chance. Non, je sais plus, honnêtement. Il était déjà... de mettre 208. Eh ben, c'est bien. Je ne comprends pas où il trouve le temps. Bah, les RTT. Bah, le chômage, surtout. Les RTT, tu poses un vendredi, tu vois. Tu poses pas ta semaine. Tu vendredi. Attends, joues 48 heures pendant le vendredi. Tu fais bien que c'est pas ton temps. C'est quoi ça? Je suis un peu ambiancé pour rien. Un peu. Mais putain, je sais pas que ça sert. Mais c'est bien de pouvoir s'ambiancer comme ça. Sans le plaisir du jeu vidéo. Merde. J'étais pas sûr, du coup j'ai continué. J'ai lancé fin Y et c'était fini. Dans le doute, toujours continuer à attaquer. Dans le doute, y'a un zinogre. Il vient remontrer la voie. Merde. Quoi? J'ai mitraillé dans les ailes, il s'est pris des dégâts et je me suis dit la peine. Pourquoi ça féline des pesseurs de fer? Moi quand je mange, j'ai un féline bras. Voilà. C'est un nouveau talent que vous connaissez pas, mais. Tête de féline bras. Il met un drap sur la tête du monstre pour qu'il voit plus. Voilà. Tu inventes très bien. C'est ça être dans le spectacle. C'est ça être youtubeur. Des gisements, ouais. Des gisements géants sont apparus. Oh, j'ai jamais eu ça. Des gisements. Des gisements, gisements géants. Des mout-mout. C'est pas mout-mout. T'es vraiment bon public, en fait. Oui. C'est bien, faut toujours avoir un pote comme ça qui rigole à tes vannes. Oui. C'est ta part, tu bien fait un... Un truc à ton ego, inestimable. Ouais, mais moi je fais que des blagues de merde, du coup ça met pas mon ego. Tu apportes de la confiance aux gens, Lucas. Ouais. Quand il y a un dragon ancien, le temps il change. Ah ouais? Ok, donc j'ai un Tobi Kadashi Alpha à côté de moi et un Velkana. Ah, je suis passé. Ah, c'est une bonne ambiance, quoi. Ah oui. Ah, Florian, tu serais content de moi. Hier j'ai envoyé Florian Vol. J'ai appelé Ambroise et Florian, voilà. Je pense que ça va instant ça. Il retombe en stat. La charcuterie filatoras proposée. Un petit saucisson de Topicon. Yeah. Piquant. Élevé en plein air. LOL, j'ai eu les deux, je suis monté sur le canal. Qu'est-ce qui se passe? Du miel. C'est un peu dur à piger. Ah, ça y est. Ah. Bah ben reste dessus. Ouais. Ambroise. Dessus. Nous on est en train de dépecer. Merde. Ah. Battez-vous. Bah merde. Bah merde. J'ai pas entendu. Il réagit à tout ce qu'il voit, faites attention. Putain, mes saloperies de Kestodon. Le jeu il m'a mis. Il m'a mis stick droit caméra. Il m'a affiché ça. Bah, moi aussi. LS. Moi il me met LS arrêter, LS courir. J'aurais tout le tuto qui recommence, mais je pense que... Ah mais oui, après je parlais plus en termes de joyaux. Je suis du skateboard sur la glace, ok. Tu le veux mon joyau de niveau 4 qui donne 2 paralysies? Est-ce qu'un mob est vivant? C'est peu. Non mais je vais pas monter sur cet animal. Pourquoi vous battre, y'a rien moi. C'est pour ça. Y'a vraiment rien sur le corps. C'est grave quand même. J'ai l'impression que vous avez des problèmes d'hallucination. Je joue pas en combat parce que j'ai une icône de combat, mais moi il y a rien du tout. Ouais, moi le ciel il fait toujours très beau. Quittez-moi. Ah, tu crois que tu l'as touché? Ça va être un fil. Ça va être un fil. Tu prends des dégâts. Puis tu vois, ça fait une petite lumière. C'est là quand il meurt, tu vois son cadavre. Ce serait énorme. Là il est à terre, il est là. Ouais, tu fais des lumières.
Ah, tu me tapes là. J'ai des lumières quand tu vois. Je suis dans le vide. Sur mon écran. On peut s'arrêter là. Allez. De quoi? Il y a quoi de sympa à battre là? Putain, il t'a gueulé dessus. Le couche là. Il s'énerve. Il est bugué. Hein. Il se passe quoi? Mais vraiment, il gueule toutes les deux secondes. Il est vraiment bugué. C'est une licence paranormale là. Moi, je voulais lui faire taper en l'air avec ouais. Le alors qu'il n'y avait rien. Littéralement. Tout ça n'était qu'un grand jeu d'acteur. C'est incroyable à regarder. Ah, attendez, il fait moche. Ah, je vois le couche là. Bah ouais.